Hey, bonjour à tous. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, aujourd'hui, comme promis, on va partir en exploration de cavernes. Mais avant. C'est cool ça. Mais avant. Est-ce que si je fais ça, il se passe quoi? Oh! Si on jette un truc dessus, ça l'active. Et ça tombe après. Ok, bon. Bref, je suis distrait. Donc on va partir en exploration de caverne, mais avant je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai agrandi un petit peu la maison. Je me suis fait une arrière-cour ici. Donc il faut que je mette un nouveau sol et que je comble les trous avec du verre. Mais pour l'instant j'ai pas de sable. Donc voilà. Ici j'ai mis un petit coffre pour tout ce qui est relatif au bois. Ici pour tout ce qui est relatif au loot. Et là, j'ai laissé les autres trucs. Voilà. Alors, après, au niveau agrandissement de ferme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste agrandi de 2 ici. Donc, ça laisse un tout petit peu plus de place. Voilà. Et enfin, surtout ce qui m'a pris le plus de temps, c'est j'ai réorganisé un peu le sol là pour éviter que ça tombe dans tous les sens. Donc voilà, j'ai remis à niveau ici, j'ai descendu, j'ai fait des petits escaliers, j'ai replanté quelques. Oh, c'est joli ça, un trou. J'ai replanté quelques trucs ici. Comme vous pouvez le voir de l'autre côté, notre jolie ferme n'a pas été piétinée, mais ça pousse pas très vite. Donc je me demande si je vais laisser ça comme ça, parce que ça n'a pas l'air d'être très très efficace. Bon, on verra une prochaine fois. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Parce que, comme vous pouvez le constater, on n'est pas vraiment en manque de blé. Voilà. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est de prendre un seau. Je me suis refait une petite collection d'outils. Prendre un peu de nourriture, de ça, et de partir en exploration de cavernes. Et avant tout. Et ben avant tout, on va dormir, histoire de laisser passer la nuit. Et on va pouvoir y aller. Alors, c'est parti. Alors si j'ai pas été vérifié où était la caverne, mais si je me souviens bien, elle était dans le coin. Ouais, donc je me suis refait. Je sais plus si je l'avais fait ça la dernière fois, je crois. Bon. Elle était dans le coin. Donc, elle devait être par là. Je sais plus trop où. Toc. On a des jeux. Ah, je crois que c'est par là. Non, ça donne dehors. On a des jolies montagnes un peu bizarres. Ah si, ça a l'air de s'en aller. Elles ont une forme un peu étrange, ces montagnes. Oh, ça commence bien. Voilà. Ouais, bon, j'ai 2 pioches. Je vais aller me chercher un tout petit peu d'eau avant. Histoire de. On sait jamais. On pourrait avoir besoin d'eau. Oh là. Boulet. Bon, on fera ça une autre fois. Donc là, il y a un peu de sable. Ça, c'est cool parce que je vais avoir besoin de sable pour faire le verre de mes vitres, de ma maison. Mais aussi pour pouvoir faire un plafond en verre. À ma. Oh. Ah, il est là, petit zombie. Pouvoir faire un plafond en verre au piège à squelette. Parce que. Allez, dégage là. Parce que ça sera plus facile en fait pour désactiver et ça évitera que je me fasse shooter par des. Par les squelettes à chaque fois que je tente de désactiver le spawner. Bon, enfin bon, comme ça on pourra l'améliorer un peu. Donc là, il y a un peu de charbon. Je vais l'éclairer au bout là-bas. Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre. Voilà. Ok. On va voir le passage ici. Voilà. Tac. Je vais regarder comment je suis au niveau de. Ok. Je suis en moody. Je suis en barre moody, mais je suis pas. Ah, 2 zombies. Allez. Tac. Prends 3 dégâts avec le. J'entends un squelette.
avec les épées en fer. Ce qui est. Là, il y a du sable. Là, il y a un peu de fer et il y a un skeleton. Il avait déjà dû prendre cher par le soleil. Donc là, ça redescend. On va éclairer un peu plus. Donc là, ça revient ici. Tac. Comme ça, on va arranger l'ouverture. Là, il y a des poules. Donc, on va partir. Bah, par là, il ne doit pas y avoir grand-chose. Voilà, un peu de charbon. J'espère que ça va être plus palpitant par là. Ça a l'air de s'enfoncer un peu. Donc ça c'est cool. Voilà. Oh. Sympathique. Sympathique, pathique. Qu'est-ce qu'il y a par là? Là il y a un peu de fer. Là ça se ferme ici. Voilà. Ça m'a l'air sympa là, ça m'a l'air grand, bien ouvert et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éclater ça. On va se faire un petit escalier de descente. Ok, donc là c'est ouvert. C'est étrange, cette formation. Oh yeah! Là ça redescend. Là il y a un truc en haut. Là il y a un peu de lave. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de monstre. Je suis en A pourtant. Bon, je vais pas me plaindre, hein, mais. Et donc là, ça ressort dehors. Et on revient par là. Ok. Ok. Ça m'a l'air sympa tout ça. Donc là, il y a un peu de lave. Donc on va continuer à explorer par là. Voilà. Pas mal comme ça. Allez. C'est sympa là qu'il y ait de la lave, ça éclaire bien, mais ça va me déranger un peu pour descendre. Hein? Petite lave. J'entends un petit squelette. Pourquoi il y a une poule? Ah, il y a une poule qui est allée dans le. Ici. Voilà. Petite poule s'est fait cuire. Et deviendra pas grande. Voilà. On va pas aller très vite là si on continue à faire ça comme ça. Hein. Toutouloutoulou. On va direct prendre un peu plus de gravier. Allez. Va falloir penser à éclairer un peu parce que ça c'est pas terrible. On va se faire marcher dessus. Donc là c'est bon, mettons là et là. Hein, j'entends une jolie petite araignée qui nous attend. C'est un peu dangereux ce que j'ai fait là. Et ça continue à descendre.
Bon alors, ce qu'on va faire, c'est une petite coupure. Je continue à filmer quand même, au cas où il se passe un truc. Voilà. Et le temps que j'arrive à descendre en bas là, parce que commence à être galère un peu. Ça va être long et pas très intéressant. Bon, à toute. Ok, en fait, voilà, donc on va être bientôt arrivé en bas et ce que je constate, c'est qu'on est dans un. Comment on dit? Dans une crevasse. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette crevasse pour un tout petit peu plus tard. Et qu'on va aller explorer l'autre côté. Et on va essayer de trouver un autre endroit pour arriver dans cette crevasse-là. Mais on va pas s'en aller. On va pas, on va. On, enfin, on la explorera, on viendra l'explorer. Pas de souci. Donc là, j'ai vu qu'il y avait. Là, donc là, on a dû aller voir. Parce qu'il y a des. Voilà. Par contre, je me souviens plus d'où j'arrive. Donc là, il y avait le trou. Et ça repartait en haut. J'aime pas trop quand c'est en l'air comme ça. Parce que c'est un peu dangereux. On se prend facilement des trucs sur la gueule. D'accord, donc je crois qu'il n'y a rien en haut. Ah si, petit squelette. Petit squeletton. Donc comme un idiot, je me suis pas fait de. De. Et j'ai une pelle. C'est rien que. Voilà. Petit squeletton ne deviendra pas grand. Il y a un petit creeper qui deviendra pas grand non plus. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors. Oh, allez. Ouais, oh, allez. Allez, fais-toi mal un peu. Non. Que s'est-il passé? À mon avis, je suis mort. À mon avis, je suis mort. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. C'est me faire un arcane. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Ok, très bien. Ça peut arriver, hein? On va retourner chercher toutes nos petites affaires avec un joli petit arc et on va courir pour pas qu'il y ait tout qui s'en aille. Je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave, c'est joli, petit coucher de soleil. Je crois que le squelette a tiré dans le. Dans le creeper et que ça lui a pas beaucoup plu. Mais bon. Ah. Ok, donc je suppose que Creeper a tué le squelette. Et nous avons un joli petit Thunderman ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Est-ce qu'on peut le brûler? J'ai de l'eau. Est-ce qu'il prend des dégâts par l'eau? Je me rappelle plus. Si je le regarde pas et que j'essaie. Alors ça. C'est étonnant. Oh, il se téléporte. Il s'est téléporté où? Est parti. Il a eu peur. Il a eu peur de moi. C'est sûr et certain. Non. Peut-être il est parti là-bas. Enderman! Alors, on va réorganiser un peu tout ça. Tac. Tac.
Tac. Tac. Ch'tac et ch'tac. C'est cool. C'est cool, c'est cool. L'Enderman est parti. Il n'a pas pu despawner. Bon, au final, ça nous a pas causé trop de problèmes, le fait d'avoir explosé. Mais bon. Je sais pas si on devrait tenir un compte de mort. Non, ça sert à rien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez envie, si vous en pensez quelque chose, évidemment. Donc là, ça continue, ça continue. Ça continue encore et toujours. Encore et encore. Et ça s'arrête. Ok. Donc là, ça s'arrête. Du fer, on a plein de trucs, c'est trop cool. J'entends un petit monstre. Je déteste le gravier comme ça, mais je trouve que son utilisation dans les chemins est adéquate. Je sais pas pourquoi. Puis au moins, ça fait une utilisation pour le gravier, quoi. Parce qu'il faut dire que c'est un peu le truc qui ne sert à rien. C'est vrai que c'est moche. C'est vrai que c'est très moche, mais bon. Toutoulou. Bon, donc là on a la, voilà, la crevasse, et de ce côté-là on doit avoir je sais pas trop, on va se frayer un chemin, on doit avoir peut-être une autre entrée vers la crevasse, ça serait cool. Ah! Intéressant. Bon, ben, je crois que ça va être direction crevasse. Parce que là, on n'a pas grand-chose. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour, en fait, hein. Qu'il nous reste que la crevasse. Allez voir. Je sais pas où est allé l'Enderman. Mais il semble avoir... peut-être dans une caverne à côté. Alors, comment on va faire ça? Tac. Tac. Wolé! Wolé, wolé, wolé! T'es où, toi? T'es tombé dans la lave. Bien fait. Je vais manger un peu de pain. Désolé si je vous ai soufflé dans le micro. Ok, donc le but, ça va être de remonter. Là. Tac. Et de éviter de mourir. Où était-il? Oh, allez, voilà. Allez. Un autre spawner de squelette. Oh, allez, oui, ça semble bien parti, ça. Donc, du coup, ça nous est plutôt utile. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a un spawner de squelette. Par contre, on a un Enderman, là. Tu vas prendre des dégâts de feu, toi, mon pote, hein. Papalapalam. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller le voir. Il va despawner si. Pourquoi ça tire? Non, c'est une flèche qui devait être plantée, ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Donc ça résout le problème de ça. Et on a toujours Monsieur Enderman qui se balade dans le coin là, comme si de rien n'était. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Non, tu veux pas de l'eau? Dispawn! T'es parti où? T'es tombé? Il est parti. Est-ce qu'on peut se balader par là? Tac, ça me paraît pas mal. En espérant qu'il n'y ait pas Mister et Mrs. Squelette qui marchent dessus. Alors, ils arrivaient de là-bas, je crois. Ouais, allez. Allez, viens là.
Voilà. Aïe. Ouch. Oh vache, ils font mal quand même. Tac, tac, tac. T'es où? T'es où? Ha ha. Ha. Trouillard, 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 trouillard. Tac. Voilà, prends ça dans ta face. Que les tonnes, c'est bon. Ah oui, je suis repassé niveau 1 en mourant comme un idiot. C'est vrai qu'il y a ça en fait. Tout à l'heure j'ai dit c'était pas trop dommageable, mais là je suis repassé niveau 1. Enfin, vous me direz, c'est pas très très important parce que d'ici que j'ai une table d'enchantement. Oups, aïe. Suis pas très adroit, hein, mais bon. On va se refaire un escalier. Voilà. Croyez qu'il y a d'autres trucs cool là-haut. On va bientôt arriver sans torche. Pourquoi il y a une poule ici? Qu'est-ce qu'une poule fait ici? Là, nous avons un œuf. À mon avis, on doit ressortir dehors quelque part, non? Pas par là en tout cas. Donc ce que je propose, là on commence à arriver out of torch, c'est d'arrêter la vidéo là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais miner. Oh. Oh. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais miner tous les minerais qu'on a trouvés, qui font partie des endroits qu'on a explorés. Et puis la prochaine fois, on continuera l'exploration et ou peut-être on ira chercher du sable. Voilà, toi t'es mort. Pour pouvoir faire des vitres ou des trucs comme ça. Et peut-être même plutôt si on trouve de la redstone, on essaiera de se faire un générateur de sandstone. De sandstone. De sand. De sable, tout court. Je vous montrerai comment faire ça. Et voilà. Donc ben j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Comme ça, je pourrais mieux m'adapter à vous. Et à la prochaine fois. Allez, ciao.